La 78e Mostra de Venise a été lancée ce mercredi soir avec le dernier opus de Pedro Almodovar en lice pour le Lion d'Or. Mais lors de la cérémonie d'ouverture, c'est le cinéaste Roberto Benigni qui était sous les projecteurs. À 68 ans, le réalisateur et acteur s'est vu décerner le Lion d'Or d'honneur. Celui qui reçoit un si grand cadeau, manifestation d'amour pour tout ce qu'il a fait dans sa vie, n'a qu'un seul devoir, rendre grâce, comme le dit saint Ambroise. Et c'est ce que nous devons faire. Alors je remercie tous ceux qui ont simplement cru en moi dès le début, ceux qui m'ont fait découvrir le monde du spectacle. Roberto Benigni a notamment marqué les esprits avec le film La vie est belle, sorti en 1997 et qui a reçu la Palme d'Or à Cannes ainsi que plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film étranger.